Yo les gens, c'est Nikonovi et aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de Minecraft Survival. Alors avant de commencer la vidéo, le fameux sondage et résultats, enfin. Alors c'est étonnant parce que je m'attendais à ce qu'il y ait plus de votes. Il y en a eu 3, je vais pas vous cacher. Et donc les résultats de vote pour la série Construction d'une ville, un vote pour la série RP. Et bon, et pour le mix des deux, zéro. J'aurais pas dû proposer ça en fait, hein. Ça a servi à rien, franchement. Donc, je ferai certainement la série demain ou après-demain. Il faut voir quand je serai faire la vidéo. Parce qu'il faut savoir que là, j'ai réussi à faire les vidéos. Mais si j'ai un planning assez chargé, je veux dire. J'ai souvent des imprévus, donc pas sûr que je sache faire une vidéo. Donc voilà. Enfin bref, aujourd'hui, on va farmer de l'obsidienne. Et oui, c'est bon. D'ailleurs, j'ai la petite pioche en diamant. Attendez que... Ah, je suis en sneak. D'accord, j'étais en sneak. Voilà. Donc, j'ai préparé quelques petits seaux. Et parce qu'on a une petite source de lave dans la mine. Alors, c'est parti, on va aller chercher un peu de lave. Ouais, et au passage, j'ai fait une petite machine à obsidienne. Hein. Dangla. J'espère qu'on va pas tomber sur un mob. Hein. Chaque fois je stresse quand je passe. Surtout ici parce que. Là on approche. Et voilà. Ça fait déjà 3. J'ai pas rêvé là, j'ai entendu un. Technobac. Il sera sur moi, vous avez entendu le bruit comme moi ou j'ai rêvé? J'ai cru entendre un zombie. Bon, pas grave. Ah ouais. Attention. 3, 2, 1. Ça c'est fait. Allez, deuxième bloc, on y va. Et alors si vous vous demandez pourquoi est-ce que je n'ouvre, enfin je n'ouvre pas, je fais un pan de levier, c'est simple, c'est pas un piston collant. Du coup, je croyais que ça collait à la base. Nikonobi est un noob, c'est Nikonobi. Super. Bref. Faut que je me cave, voilà. Alors, vous allez forcément me demander, dis, tu comptes farmer combien de blocs d'obsidienne? Moi, je voulais te deviner, avec l'obsidienne, on peut faire quoi? Non, franchement. Qu'est-ce qui est super utile et qui nous aiderait pour la ferme à canne à sucre? Pour la rendre automatique. Bon. En fait, je voudrais faire un portail du Nether. Comme ça, on peut aller chercher du quartz et rendre notre ferme automatique.
Car je rappelle, pour faire un observateur, donc un bloc, lorsqu'un bloc apparaît devant l'observateur, il envoie un signal de redstone, et donc par exemple, il signe un piston, pouce. Donc ce que je compte faire, c'est mettre ici l'observateur, non pas ici, oui, voilà, ici, oui, et juste en dessous le piston. Comme ça, dès que la canne à sucre sera au niveau 3, eh bien hop, le piston cassera, car il détectera. C'est simple. Bon, c'est pas ça, mais nous, on a encore quelque chose, quelques blocs. Bon, en tout, j'ai bien compté. Il va falloir encore 3 allers-retours. En vrai, je me demande s'il n'y a pas des blocs d'obsidienne en bas. Ah. En vrai, ce que je pourrais faire, c'est me ramener ici. Et, ah, c'est une très bonne idée, ça, tiens. Je sais ce que je vais faire. Je pense que ça nous fera gagner du temps. Je sais pas si vous entendez, vous, mais je vous jure que moi, chez moi, j'entends le bruit quand je saute, hein. Tellement je force. C'est. Je sautais tous les blocs. Mais... Ouais. Trois suivants. Hop, j'ai eu peur. Bon, par contre, mauvaise nouvelle, visiblement, ma pioche a déjà perdu beaucoup de durabilité. Bon, allez, casse. 10 secondes pour casser un bloc d'obsidienne. Super. Ouais, bon, normalement, c'est pas qu'il devait être, hein, mais bon. Ça devait arriver. Hop. 10 secondes plus tard. Nicolobi a-t-il enfin cassé le bloc? Bah oui, c'est logique. Hop. D'ailleurs, tant que j'y pense, vous la trouvez comment ma petite ferme à obsidienne? Hein? Eh bien, non. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une petite source d'eau. Voilà, une petite source d'eau. Et je sens que la nuit va tomber. Oui, la nuit va tomber. Bon, super. En remontant, on va se faire buter par des mobs. Par contre, j'ai un peu peur, franchement, déjà qu'il y a un mob. Dans la mine, hein, je parle pas à l'extérieur. À l'extérieur, quand je suis remonté, ça va, je suis bien équipé. J'ai le PV au max et mon arc presque mort. Ouais. J'ai presque mes matériaux pour mon arc, hein, puisque j'ai tué quelques araignées pendant mon voyage d'explorateur. Oui, parce que vous voyez sur la carte, je suis parti vers la gauche, quoi, vers l'ouest. Là. Hop là. Et yes, ça a marché. En plus, on a des redstone. Oui.
Oh purée, j'ai peur. Action gratis pour tout le monde. Donc comme ça, on aura les 4 derniers blocs du portail. S'il veut bien casser, par contre. Je suppose qu'en dessous. En fait, on va trouver une grosse source d'obsidienne. Je viendrai miner plus tard mon hors caméra. On va pas passer 10 000 siècles ici. Ça fait 7. Un petit dernier pot à route. Ah oui. Bon, on en a 11. J'en ai pris un en trop. Oh, du diamant! Ah. Oups. Ouais. C'est décevant pour un diamant, là, franchement. Au moins, on a du lapis et un petit diamant. Et bon, on a du bonus en plus. Bon, bah, je reviendrai ici. Ça m'a une très bonne trouvaille. Bon, comment je fais pour remonter? Et bah voilà. Bref. Bon, les gens, j'ai cru voir vraiment un truc bizarre. J'ai cru voir un truc blanc passer. C'est Entity 303, attention! Franchement, il manquera plus que ça. Bon, maintenant, étape la plus difficile. Sortez! Vite. Et voilà! Bon, maintenant, le grand moment. Bon, on va installer ça dehors parce que j'ai pas envie qu'après notre petit Médor se fasse tuer par un cochon zombie ou alors qu'il parte dans Nether sans nous. Ce sera un peu bête, ça. Hop. J'ai pas de briquet. Attention. C'est pas un Iron Man. Le grand moment que vous attendez tous. Attention, attention. Attention, attention. Waouh. Bon, en vrai, je pense que j'ai un peu amélioré plus tard. Je vais le décorer parce que tout comme ça, un peu, c'est un peu basique. Et donc, je pense que je vais améliorer. J'essaie de trouver un beau design. Et si je trouve pas, je vous demanderai de m'aider, à mon avis. Comme d'habitude, en fait. Hein? Bref. Maintenant que ça c'est fait, on doit aussi terminer le toit, je pense. Ah bah ouais,
Justement. J'ai de la stone ici. Hop. Pitié, ne venez pas me tuer, creeper. Non, pas aller en stone. Ah mince, j'ai oublié. Bon, je vais voir s'il me faut encore. Non, d'ici, je peux poser les blocs. Ah bah ouais. C'est bien, je suis plus obligé de monter sur le toit. Ça c'est fait, il reste plus que les escaliers. Et il me faut aussi des trappes, je veux. Bon, pour les trappes. Voilà. Et pour les escaliers. Voilà, ça c'est fait. On a deux blocs de dirt juste ici, c'est nickel. Ah, j'oubliais. Bon bah voilà, on a tout nouveau. C'est quand même mieux comme ça. Et voilà. Maintenant, on va monter sur le toit. Génial. Nicolas, l'acrobate. Et voilà, on a enfin fini le tour de la maison. La petite cabane, voilà, enfin, c'est un miracle. Bon, par contre, ma pioche, là, je sais pas si vous voyez, mais elle prend cher. Hein. Je mets presque rien, elle prend cher. Hein. C'est étonnant. Maintenant, il reste juste à trouver une pelle. Donc, quand j'y pense, on a un diamant, mais j'ai vraiment pas envie de le consommer. Hop, peut en faire, voilà. Comme ça, on va pouvoir enfin enlever toutes ces saletés. C'est, la neige me tombe dessus. Bon, normalement, ça devrait pas. Ça va, Médor, t'as pas trop froid? Normalement, la neige devrait fondre, si je dis pas de bêtises. Elle devrait. Oh, encore des boules de neige, nanana.
Même sur la bibliothèque, mais non! Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a? T'as froid? Moi aussi, t'inquiète. Bon. Ah. Qu'est-ce qu'il y a perdu? Ah, on avait même mis un. Bah, dis donc. Et on a même. Et regarde, attendez, mais. On récupère même des couches de neige. Merci les coffres. Ouais, je pense que c'est tout. Et j'espère. Franchement. Bon, voilà, Médor. Depuis quand tu aimes bien rire? Médor, viens ici. T'entends quoi? Hé! Non, Médor, tu viens ici. Eh oh. Il était tu, hein, quand même. Ah, voilà. Maintenant, tu t'assieds. Et comme tu aimes bien lire, t'es juste à côté de la bibliothèque. Voilà, enfin bref. Les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!